Bonsoir à tous et bienvenue à New Haven, à quelques encablures de New York dans le Connecticut et à quelques jours surtout du début de l'US Open que nous suivrons bien sûr en intégralité sur antenne d'Eurosport avec tout le tournoi féminin en direct et une rencontre très intéressante ce soir avec Marion Bartoli qui dispute son quart de finale face à Elena Dementieva à New Haven cette semaine et qui va essayer d'aller encore plus loin, de se donner encore un peu plus de confiance avant d'aborder l'échéance de l'US Open dans ce tournoi de New Haven qui affrontera Pennetta. Des qualifications, l'Australienne beaucoup plus facilement 6-3-6-1 lors du deuxième tour. Oui, quel retour, on a parlé des qualités de relance de Dementieva. Oui, tranquille de Marion Bartoli qui a battu Alona Bodarenko et Anastasia Rodionova. Dementieva a eu le parcours inverse. Son match facile, c'était au premier tour face à Maria José Martinez Sanchez, l'Espagnole. Ah, intervention de Lynn Welsh. Pour le bon retour sur cette seconde balle. Oui, ça s'est bien monté, bien sauvé. Et encore un retour fabuleux. Belle anticipation. C'est bien fait parce que c'était court à l'échange de la part de Dementieva, mais quel angle trouvé par la Russe. Grosse prise de risque, c'est dehors. Challenge demandé par Elena Dementieva. Oui, c'est bien fait aussi. Aïe 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 aïe, ce match. Oh là là, encore une fois. Et bien voilà, enfin un jeu de service gagné par Marion Bartoli, c'est le premier tout simplement. Quel point est brillamment conclu par Dementieva. Ouh, splendide et applaudi par Dementieva.
un coup joué à deux mains, c'était loin d'être évident. Elle est dans le couloir, même presque à l'extérieur du couloir lorsqu'elle frappe cette balle. Oh, elle est bonne, incroyable. Eh oui, elle est prise, elle a eu de la réussite, la Dementieva. Et bien voilà. Ouais, parfait, elle se reprend très bien Dementieva dans ce jeu. Et ben voilà, c'est finalement Marion Bartoli qui leur a offert ce set à Elena Dementieva. Il valait mieux parce que la Russe tremblait quand même beaucoup sur les balles de set. Ouais, bien sauvé ça. Oui, c'est bien, elle est allée le chercher au filet ce premier break, Marion Bartoli. Après Roland Garros pour cause de blessure. Oui. Et voilà. Parfait, bien contré ça. C'est pas le moment de prendre un risque. Énorme. Qu'elle s'en sort sur ce jeu. Jeu de service remporté par Elena Dementieva. Magnifique ça. Très bien fait de la part de Marion Bartoli. Superbe. Et voilà, nouveau break pour Marion Bartoli qui s'encourage bruyamment en français cette fois. Ah oui, là, on va s'en demander le retour. En attendant les qualifications, bien sûr. Ouais, c'est parfait. Tiens. Défense, et oui, elle n'a pas pu résister. Elle a fait l'essuie-glace sur cet échange, Marion Bartoli.
cache tout juste dans le terrain. Quel point, quelle bagarre énorme. Et Dementieva qui finit par s'en sortir. Comme quoi, le physique, même s'il est un petit peu touché, est toujours là quand même. Pour la Russe. Un point énorme pour sauver cette deuxième balle de 5-2. S'en sort, attention, il aura probablement son importance ce jeu. Tout premier race de Marion Bartoli qui tombe à point nommé. Elle l'avait armé à l'avance. Hein. Et voilà, il est remporté ce jeu très important. C'est là. Allez. Oui, c'est bien contré pour 3 balles de 7. Ça reste à l'intérieur. Dementieva était déjà partie s'asseoir. Elle avait déjà fait une croix sur ce deuxième set. Une seule balle de 7 aura suffi Marion Bartoli contre les 7. Et qui va néanmoins continuer cette rencontre. Allez, bon retour et 2 balles de break d'entrée en faveur de Dementieva dans ce set décisif. Flavia Pennetta, forfait, blessé au pied. Merci au passage. Bel angle, très bel angle trouvé par Marion Bartoli. Sœur Elena Dementieva. Allez, Marion Bartoli, jeu blanc pour se relancer dans ce dernier set. Elle revient à 2 jeux à 1. Tout reste à faire encore dans ce quart de finale du tournoi de New Haven.
Elle a regardé son coup, Demetieva, comme si cette balle allait sortir. Elle a suivi sa balle du regard, du coup elle ne s'est pas replacée. Et... Et elle s'en sort encore, Demetieva. Une balle de deux partout écartée par la Russe, qui reste devant 3 jeux à 1. Un pourcentage, bien sûr. Ouais, n'est pas coutume ces dernières semaines en Amérique du Nord. Et oui, magnifique ce retour dans le court, juste dans le coin du court. Et il est confirmé aussi ce deuxième break. Demetieva très proche maintenant des demi-finales. Superbe. Deuxième analyse pour Marion Bartoli. Et bien voilà, elle s'encourage et elle y croit toujours, Marion Bartoli. Côté, mais c'est tout de même bon, c'est fait pour Elena Demetieva qui s'en sort une fois de plus en 3-7, dixième victoire cette année dans un match en 3-7 sur 13 rencontres disputées, et la qualification pour les demi-finales, victoire 6-3, 3-6, 6-2 face à Marion Bartoli. Encore une fois, le physique de la Russe a prévalu, même si ce physique a pu donner quelques craintes aujourd'hui avec, semble-t-il, pas mal de douleurs au niveau des adducteurs et cuisses, mais ce sont peut-être des bonnes douleurs, simplement des...